pouvez apercevoir autour de vous que la nuit commence à tomber, que Ah, des je m'en cris doutais. J'allais inhumains te demander se font justement entendre. Quelle heure est... Je m'en doutais. C'est ce que j'allais te demander, quelle heure il était. J'allais faire pareil ici aussi. La nuit commence à tomber, donc c'est-à-dire qu'il doit être aux alentours de 19h30, 20h dans ces eaux-là. Ça commence à tomber et que des choses commencent à se réveiller autour de vous. Il y a des cris qui se font entendre. Ça vous laisse quelques temps pour réfléchir. Ouais, c'est ça, jusque-là, le soleil nous a protégés, mais ça va pas durer. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, pour être sympa, je vais vous laisser un point strat pour vous décider de ce que vous voulez faire en ne laissant pas le temps continuer de s'écouler. Ok. Moi, je propose d'aller ici. Un peu plus au sud, en bas de la map, pour avoir un terrain un peu plus dégagé. Parce que là, on est dans une ruelle et on va se marcher dessus. Et le bâtiment qui avait le passage qui était bouché en bas là au sud, il ressemblait à... Le passage au sud, celui-là qui était tout en bas là, que t'as ping. Oui. Alors ce passage là, il a vraiment été complètement bloqué, il y a moitié du bâtiment donc ici qui était un peu effondré sur... Attends, j'arrive pas à faire un ping, je te montre. Donc le bâtiment ici était un petit peu effondré ici. Les piliers qui étaient à l'entrée, comme tu as pu le voir, ils étaient à bloquer quasiment entièrement l'entrée. Il y a même des charrettes, des tonneaux, des planches. Comme si qu'on avait essayé de fermer la ville, de la barricader au maximum. Cette entrée te paraît très difficile de pouvoir passer. D'accord. Et si on passe rapidement dans le bâtiment qui est en face de nous là pour aller de l'autre côté. J'ai pas trop envie d'y retourner. Ouais, moi non plus. Hein. Moi je vous proposerais qu'on soit on monte, soit on va plus haut là-bas, vers le nord, soit poursuivre le chemin, soit on fait demi-tour et on se met dans la plaine juste avant, où il y a plus de place. Ça serait éventuellement un jet d'agilité pour savoir si vous faisiez vos mètres de distance autorisés correctement. Sachant que là, ça serait de la course, donc la course, vous pouvez courir plus que le mouvement. Mais en cas d'échec vraiment élevé, vous tombez, tout simplement. Alors moi, si j'y vais en courant, je me casse la gueule, ça c'est clair. Je vais pas tomber. Après... je réponds à une dernière remarque que quelqu'un avait fait parce que là le sablier va être fini, donc c'est à vous de décider après. Effectivement, ce chemin là, c'est un chemin de ville, donc c'est à dire qu'il est censé aller dans toute la ville. Ok, bon bah go vers le nord. Voilà. C'est rapproché de la lumière en fait qu'on a vu. C'est ça. Oui. Je pense que le chemin va se... Et si la nuit commence à tomber trop vite, je pense qu'il faut... Alors c'est une question que j'aimerais poser au mage. Est-ce qu'ils ont peur de la lumière et du feu en général? Je pense qu'ils ont peur de la lumière et d'un symbole sacré ou quelque chose comme ça. Ouais, donc le feu, ça les a... Ça les... L'église ou un lieu sacré. Il a tiré deux boules de feu et ils ont pas l'air d'avoir bronché. Donc il faut qu'on se dirige vers une lumière sûre. Vers un symbole de lumière, quoi. Bah, je veux juste vous dire, attention en passant dans les ruelles, méfiez-vous des fenêtres qui vous attrapent par les interstices. Vous n'avez plus le choix, il vous faut trouver un abri pour la nuit et rapidement. Sinon, vous risquez d'y rester. Bah du coup... Par ici, on... C'est passé assez loin des bâtiments, j'ai pas envie de me faire attraper. On entend toujours du bruit, des grognements, des réveils, enfin du...
j'ai vu qu'il y a une porte. Ouais, mais c'est les mêmes. Mais le bâtiment est plus bas. Je crois qu'on en a pas fini. Ah oui, je la vois, la lumière de là. Ah bah, oui. On force le pas, on se dépêche, on se dirige vers la lumière. Bon, on court, là. Ouais, mais si je... Non, je trottine, disons. Ah oui. Non, j'aime tomber avec mon armure, je vais faire clon, clon, clon. Là, je pars... on marche vite, alors. Voilà. Ok. Ah, on dirait que le bâtiment n'est pas brûlé. Très belle remarque. Oui, en effet. Très belle remarque. Tu aperçois depuis la tour, depuis la fenêtre qui est ici, il y a de la lumière qui donne sur l'extérieur, et que c'est un des seuls bâtiments qui n'a pas été brûlé. Donc ça t'interpelle. Effectivement, l'entrée, comme tu as pu le dire, elle était ici. Dès que... Est-ce que je peux tout de suite arrêter notre ami glacial? Genre, je crois avoir des bêtes sur le toit en face, dans ma direction que je regarde. Ah ok. Je sais pas si tu les vois. Reviens, il y a des bêtes sur le toit. Ok, je recule. D'ailleurs. Ouais, là, ces machins là. Je fais là-haut. Ah d'accord, ouais, ça y est, je les vois. Ouais. Vous commencez à entendre du bruit de plus en plus. Hein. Bah moi je vais vers la porte. Ouais. Est-ce qu'on peut dire... Est-ce qu'on peut interpeller quelqu'un? Est-ce qu'on entend quelqu'un? Enfin, un boyman ou... Non, la porte, elle est encore, entre guillemets, en bon état. Elle est légèrement entrouverte. Il n'y a pas de bruit particulier. Donc, si vous voulez rentrer, vous pouvez. Je frappe. Je rentre. Enfin, je vais rentrer en premier et je vais frapper avant. Et dire, est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? D'accord. Tu voudrais pas le faire en mode plus... plus... Bonjour, comment allez-vous? Alors, mais peut-être qu'il y a encore des gens gentils, hein. Je vais vous faire rentrer à l'intérieur. Voilà, il y a un petit escalier qui amène sur la plateforme ici, et il y a vraiment un silence, quoi. C'est extrêmement calme. Il y a des gouttes de sang. C'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Ça a l'air d'être une corde avec un grappin. On ressent vraiment pas de présence vide? Non. Je prends la corde. Je la donne en... Je peux te donner l'accès en fait. Ouais, voilà, tu la prends dans ton inventaire, mais c'est surtout que je te la donne contrôlée par Wilbur. Voilà, donc ça fait que tu peux la déplacer maintenant. Tu peux la garder sur toi. Est-ce que je peux dire aux personnes qui me suivent s'il se trouve pas quelque chose pour bloquer la porte? Je sais pas, s'il y a quelque chose qui permettrait de la bloquer. D'accord, bah déjà quand tu rentres, tu le dis et tu le remarques en même temps. Tu remarques qu'ici il y a des caisses, elles ont l'air mi-pleines de rations, de foin, des trucs comme ça. Tout ce qui est que tu utilises en général de la vie de tous les jours et que ça pourrait servir pour barricader. Ah bah je m'y dirige et je demande à quelqu'un s'il veut m'aider à l'époque. D'accord. Hop. On va faire un test de force ou... Non, si vous êtes plusieurs à le faire, je vais décaler les caisses et je vais considérer que vous l'avez fait à plusieurs. Okay. Même tout seul, pendant ce temps-là, les autres, vous voulez faire quelque chose en particulier? Moi, je vais m'intéresser aux traces de sang. Est-ce que c'est frais? Est-ce que c'est des traces qui venaient de l'extérieur pour l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur? Ça a l'air d'être des... C'est légèrement frais quand même. Ça date pas de tout à l'heure, une heure, quoi, mais ça a l'air d'être d'aujourd'hui. Et ça va de l'intérieur à l'extérieur. Et ici, c'est des escaliers. Il y a un étage au-dessus. C'est bon, c'est une tour. C'est ce que j'avais compris. Ouais. Sauf si quelqu'un veut faire a quelque chose à faire, moi je vais me diriger vers le haut. Et ouais, il y avait ça aussi, ça je voulais. Ouais, je me demandais sur la table. C'est des pommes dans un panier. Bon, j'en prends deux, allez. Est-ce qu'on peut se partager? C'est un nombre. Ah oui, il y a que 20 pommes. Ouais, il y en a beaucoup ou pas? Il y en a une vingtaine, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, j'en prends trois sur moi. Donc il y a des personnes qui se dirigent au-dessus? Ouais, moi je prends pas de pommes, moi. Toutes les personnes qui veulent se diriger au-dessus, mettez-vous au niveau des escaliers et je vous fais monter au-dessus.
Je dois laisser la corde ici, enfin... Je te la transfère de l'autre côté. Voilà, donc là, vous montez l'étage, et tu vois qu'il continue à y avoir du sang, donc je vous laisse interagir. J'avance un petit peu. Une Oh fois là que là. là, tous les trois vous êtes montés, vous apercevez une grande fenêtre qui donne vers l'extérieur. Pardon. Je clique ici. Donc vous apercevez une grande fenêtre qui donne vers l'extérieur. Un homme blessé gît sur le lit. Une table est dans la pièce avec des objets dessus. Ainsi qu'une arme ici au milieu qui est brisée au sol avec une petite bourse. Voilà ce que vous pouvez voir en rentrant dans la pièce. Ça, c'est un coffre. Oui, ça a l'air d'être un coffre, effectivement. Mais rien de... Ok. Ça va, je suis pas là, hein, donc tu peux le voler, je suis pas là. Ouais, mais il y a le clair avec moi, du coup. Ouais, calme-toi. Ah, le bruit là, j'ai entendu un bruit de quelque chose qui cassait. Ouais, il s'est passé quoi là? Vous avez entendu, c'est qu'il y a des bruits au Ça niveau venait de d'où? la porte. De Oh l'extérieur, merde. il commence à y avoir quelque chose qui tape à la Oh porte. là. Bon, Mais bah vu que vous... j'y fonce, j'y fonce. Et vu que vous avez barricadé pour le moment, bah, tu sens que ça tient pour le moment. Mais j'entends des bruits derrière la porte, du coup, C'est quand même, ça. derrière le caisse. T'entends des petits ronflements qui sont derrière la porte et qui tapent sur la porte doucement. Oh merde. Est-ce que je peux suggérer au clair de d'aller voir ce pauvre homme? Ouais, je vais. Dans l'air. Oui, j'allais y aller de toute façon. Ok. Et je subtilise la bourse. Évidemment. Mais je Ça peux devrait. essayer de le faire assez discrètement sans que mes collègues le remarquent. Hein. Si c'est possible. Tu peux essayer. Alors, ici, au niveau du corps glacial, tu Oui. remarques tout de suite que il est mort, tu pourras rien faire, Ah, il mais est mort. qu'il est mort récemment. En C'est pas fait, perdu. il avait été blessé au niveau de la tranche, sur le flanc, en fait. Tu vois qu'il manque quelques morceaux de chair, donc tu comprends très vite que c'est il a été attaqué par une des goules, il s'est défendu comme il pouvait, et qu'il est mort dans la matinée. D'accord. Ok. Ok, bon. Il y avait quelqu'un qui avait parlé d'une bourse ici, c'était qui? Oui, moi. Moi, c'est-à-dire. C'est-à-dire Wilbur. Wilbur Wilbur? voudrait prendre cette... Si tu veux vraiment le faire en sneaky, si tu le souhaites, mais après ça, tu verras ça avec tes compagnons. Bon, après, Moi je suis pas là donc je vais pas pouvoir. Je vais demander. si... Si Parce le que clair là. annonce à haute voix que qu'il est mort, bah je balance une phrase comme bah bon bah ça c'est pas perdu en essayant en prenant la bourse. D'accord. Ok. Oui bah Donc, oui, de toute façon. toi tu t'occupes Ici de je la suppose. bourse et ensuite branle-toi à la fenêtre justement. Tu aperçois qu'il y a plusieurs monstres qui sortent de la maison, enfin de la sorte de maison où vous étiez juste avant, et qui sont en train de s'approcher vers la porte, donc de l'entrée. Le sang qui doit être à terre les attire peut-être. Vous n'avez pas été blessé. C'est sûrement le cadavre qui les attire pour le moment. Et Poussez-le par la fenêtre. tu re-entends à l'entrée, toi, Xartorion, que Ça ça pousse. commence à pousser. Ok. Et que là, la barricade que vous avez fait commence à se briser. Donc là, vous avez 3 minutes pour décider de ce que vous voulez faire. Vous pouvez Y a du discuter. grabuge en bas, descendez! On voit qu'il y a des trucs, on voit qu'il y a des armes ici, là. Alors ici, je te le montre. Donc je vais le lire. Allez, je Ouais, le lis. voilà. Alors, nous faisons face à des disparitions qui deviennent inquiétantes depuis quelques jours. Ces disparitions sont-elles liées au navire abandonné présent il y a quelques... Est-ce l'explication de la disparition de tous les pêcheurs? Les gardes du village avaient également disparu. J'ai vu du haut de ma tour les gens se transformer et devenir des sauvages assoiffés de sang. Les quartiers sont contaminés. Bizarrement, ils ne sortent pas en plein air, en plein jour, pardon. Accompagnés par que quelques courageux survivants, dans cette invasion, nous avons décidé de brûler la plupart des bâtiments afin que ces créatures ne puissent y trouver refuge. Il nous faut de l'aide. Les vivres commencent à manquer. Nous replierons dans les souterrains. Alors, vu que tu es sur la table, je te le dis,
Avec les parchemins, pendant que tu étais en train de regarder ce qu'il y avait, ce que tu viens de voir, tu as transmis la photo tout de suite aux deux personnes qui étaient autour de toi. Oui. Et tu vois que sur la table, tu vois ça qui a été dessiné sur la table. Qui a été gravé directement sur la table. Ok. Qu'est-ce que c'est? Des symboles, il y a des croix. Je sais pas si c'est des croix. C'est clairement une map, mais on n'a pas les points de repère. Moi, je la vois pas, donc techniquement, j'ai pas. Peut-être que le rond, c'est notre maison et que c'est peut-être une carte, je sais pas du tout. Alors, fais-moi un jet de perception parce que ce que tu dis là avait du sens. Donc, selon ce que tu vas faire, je vais te donner un indice Ok. que tu l'as presque découvert. Donc, perception. Oh Bon. putain, c'est un génie. Alors, tu comprends. Sur le coup, tu avais du mal à comprendre. Et là, tu as un éclair de Éclair. génie qui te traverse l'esprit. Tu comprends que les croix correspondent aux quatre bâtiments qui ont été brûlés là où vous étiez juste avant. Que le rond correspond à la tour. Que quand vous D'accord. êtes arrivé à la tour, vous aviez vu qu'il y avait d'autres bâtiments en bas. Et là, ils t'ont parlé, et tu le comprends très vite, grâce au l'échec, enfin, grâce au succès critique que tu as fait, saleté. Tu comprends très vite que le deuxième rond a l'air d'être l'endroit sûr qui parlait justement dans le parchemin. Ah oui. D'accord. Que faites-vous? Alors, de mémoire, le bâtiment est ici. Du coup, Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Une fois que le sablier sera fini, la porte explose. Hein. ok. Ici. J'attends toujours Ici, de c'est les l'aide, moi. fenêtres. J'attends, je vois que personne Ouais. n'arrive. Ok. Je sais plus ce qu'il y a en bas, s'il y a des fenêtres sur Alors, le de côté Brande ouais. ici, toi, tu vois que les monstres passent à côté de toi, mais ils vont vers l'entrée. Et quand vous regardez à travers cette fenêtre, tu vois qu'effectivement, ils sont en train de s'agglutiner vers l'entrée. Au Ils sol sont ou au sol. ils sont au sol, ils montent pas au ils montent pas au mur quoi pour essayer de passer. Ok. Et dans les tonneaux ici, il y a quoi exactement? Y a quelques ressources, des trucs lourds, c'est vraiment des ce que j'utilise utilisent pour vivre jour le jour. Dans celui-là, il y a du sel par exemple. Là-dedans, il y a un petit peu d'eau. Et dans le dernier, c'est des ressources basiques. Qui ont commencé à périmer, donc tu ne pourras pas trop te servir. Non, moi c'était pour les balancer dans l'escalier au cas où, ou renforcer la barrière. C'est une La solution. barricade elle va lâcher, hein. Est-ce qu'on a une fenêtre en bas là, vers le qui donne vers le sud? Je sais pas, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas eu le temps de voir tout à l'heure. Regarde, mais Parce que j'aimerais faire un. Comment ça s'appelle? Lancer la corde avec le non, vers le harpon. sud en lui-même, il n'y a pas une. Enfin, il y a des sortes de petits trous éventuels. J'ai compris que tu voulais monter, je te fais passer. Hop. Ouais. Il y a effectivement des sortes de fenêtres, mais c'est vraiment plus de quoi laisser passer de la lumière et autres. Tu D'accord, pourras ouais, pas c'est des. passer. La seule fenêtre vraiment où tu peux passer à travers, c'est celle-là. Et actuellement, Brand avait affirmé, hein, il vous a dit, que pour l'instant, les monstres ne sont pas venus ici, ils sont vraiment plus vers le nord. Donc si vous vouliez descendre, il y a une possibilité éventuellement. C'est ici qu'il faut descendre ça. Voilà. Oula. Sachant qu'il y a un autre grappin ici, viens. Celui qui voudrait. Ouais. Ouais, pour arriver à la Ah, porte. la porte a putain de pété. Ils sont en train de Oh. taper dessus et elle va péter bientôt. Y a pas quelqu'un qui veut aller fouiller dans le coq qui est dans le coin là-bas? Ça peut J'arrive, je dis, être intéressant. on bouge! On bouge! Bah, on a pas le temps, Au on n'a pas le moment temps. où tu dis on bouge, Oh la la vache. barricade a lâché. Elle a cédé. Donc Ok, là, je vous ok. laisse vraiment quelques secondes pour décider ce que vous voulez faire avant qu'il rentre à l'intérieur. On va devoir tous les buter. C'est parti. Non. Bon, moi je regarde les Moi je escaliers. me. Du coup, j'ai un visuel sur le bas de l'escalier, du coup, s'ils arrivent ou pas.
Bah, t'en auras un pour l'instant, mais là je vous laisse vraiment quelques secondes. Chacun, vous me dites, vous prenez 10 secondes chacun, vous me dites ce que vous voulez faire et ce que vous faites. Donc toi, tu t'es moi, mis je devant. Je leur demande s'ils ont un plan d'évasion déjà. Ici, il y a une fenêtre, j'ai une corde, il y a une autre corde ici. Donc au pire, vraiment, si c'est la merde, on peut essayer de s'accrocher et sortir par là, quoi. Mais, ok, donc toi, tu passes ton tour, tu dis ça. Tu t'approches et voilà. Tu lui dis, voilà, on peut sortir par la fenêtre si besoin. C'est ça. Ok, Glacial, tu fais quoi? Moi, je suis son idée. Moi, je suis pour qu'on s'enfuit, parce que de toute façon, je sais pas combien ils sont, mais ils doivent être... Donc on va... Brand avait pu vous transmettre. C'est vrai que j'ai pas pensé à te dire. Mais Brand, toi, pendant que t'étais à la fenêtre, j'ai vu que t'es resté tout du début jusqu'à la fin. Donc je te le dis, t'en avais vu au moins une trentaine venir des bâtiments au fur et à mesure taper sur la porte. C'est pour ça qu'elle a pété. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y en avait pas 5, il y en avait 30. Autant partir. Et ouais, Brand, donc, toi, ouais. Tu proposes quoi d'ailleurs? Dernière personne. Voilà. Pour le groupe, je dirais bien qu'il faut déjà lancer la corde et le grappin. Et puis pourquoi pas foutre le feu à la tour en fait. J'ai de quoi mettre le feu hein, si besoin, autrement. Ok. Et puis sinon, okay. À titre personnel, bah, j'ouvrirai au moins le coffre pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, t'as inspecté le coffre. Il n'y a que des vêtements de bonne facture. Ouais, ça peut servir à foutre le feu. Oh, bah prends quand même. Hein. Bah, je me rapproche de la fenêtre. Ah, la sale bête. Oh, les sales bêtes. Et je fais descendre la corde. Voilà, donc pendant qu'il se passe ça, là, toi, tu commences à voir les monstres arriver. Donc, voilà, tu peux dire ce que tu veux. Et ensuite, on... Je dis les sales bêtes. Et, ouais, les sales bêtes. Les sales bêtes. Ouais, les sales bêtes. Oh, les sales bêtes. Oh, les sales bêtes. Alors, excuse-moi. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Est-ce qu'il y a au pied du lit là, c'était la bourse ça ou la bourse c'est... Ah non, c'était ici et il y avait. C'était Wilburn oui. Qui l'avait pris dans son inventaire, mais il n'a pas encore regardé ce qu'il y avait dedans. Ah, autant pour moi. Je regarderai ça plus tard. Ok, donc là on va repartir sur un sort de tour par tour. Wilbur, tu fais quoi? comme je disais, je... Voilà, donc tu commences à mettre... D'accord, donc tu ouvres la fenêtre, enfin les volets, hein. Tu commences à accrocher la corde et le grappin pour pouvoir descendre. Et voilà. Et et je dis à mes collègues que la corde est prête, si vous d'accord. Voulez. D'accord. Exatorion. Je pose mon marteau, je leur balance une fiole d'eau bénite, je prends mon marteau et je me dirige vers eux. Ah, pas vers les mains, mais vers mes alliés. Hein. Ah, okay. D'accord. Oui, donc tu... J'étais au classique. D'accord, donc tu leur jettes ta fiole d'eau bénite, tu me feras un jet de force pour voir si tu jettes correctement la fiole sur eux. Oh. Et ensuite, tu pourras te déplacer sur tes alliés. Yeah. Tu touches sans problème le premier qui commençait à monter. Tu sens, tu vois qu'il y a des brûlures qui commencent à apparaître dessus, que ça lui a pris, que ça lui a fait quelques points de dégâts, et vu qu'il est dans l'entrée et qu'il est en train à moitié de... Tu sais, c'est comme si c'était de l'acide pour lui, ça fond un petit peu, tu vois des morceaux de chair se détacher, et il bloque légèrement l'entrée pour le moment. Du fait qu'il d'accord. Était devant, il bloque les monstres, mais ça va pas durer, c'est l'histoire de quelques secondes, le temps que les monstres le poussent, quoi. Allez, moi je fonce bien. Donc, Brand... Oh bah moi je vais me diriger vers la fenêtre, hein. Je prends la corde qui est à côté de moi, puis je me barre. Hein. D'accord, bah je te laisserai noter la corde dans ton inventaire. Donc il faudrait peut-être prendre un tonneau et le foutre en haut des escaliers, tout ça, peut-être on gagnera peut-être un peu de temps. Ah oui, pas con. Solution, si tu veux le faire, je peux te laisser parce que je regarde, t'as 7 de mouvement, 4 plus les d'ici 3, tu peux... Tu peux prendre celui-là et après venir ici le jeter, mais ça va te prendre ton mouvement et il faudra que tu me fasses un jet de force si c'est toi qui le fais, pour savoir si tu arrives à le faire durant ce tour-ci ou si tu commences à prendre le tonneau et tu vois que c'est trop lourd pour toi. Ouais, bah écoute, je vais au moins essayer, tu vois. Au pire, je serai près de la porte.
Oui. Si tu loupes ton jet, tu resteras au niveau du tonneau. Si tu y arrives, le tonneau ira dans les escaliers. Oui. T'es pas fort pour les sorts, mais fort pour le physique. C'est bien. C'est ça, bien. Exactement. N'importe quoi. Donc tu t'approches du tonneau qui est ici, tu le soulèves difficilement. D'ailleurs, les autres te regardent le soulever et se disent, bah tiens, c'est pas normal, c'est un mage, il devrait pas y arriver. Tu t'approches. Donc j'approche ton personnage. Tu arrives jusqu'à l'entrée. Donc, je vais te mettre à peu près là parce que sinon tu montes sur, au pire, à partir de la rambarde. Et là, tu jettes le tonneau ici. Donc en jetant le tonneau, il s'explose sur les monstres. Et tu fais reculer de 2-3 mètres. Donc, et tu fais reculer de 2-3 mètres les ghouls. Tu as fait gagner encore quelques précieuses secondes, en fait, avec ton action. Et donc là, il reste plus que toi, Sial. Et ben, moi déjà, j'applaudis pour sa force. Et ensuite, je me déplace vers la fenêtre et j'attends que alors, le premier passe par la fenêtre. Là, entre l'eau bénite que tu as jetée, d'ailleurs, n'oublie pas de l'enlever de ton inventaire. C'est déjà fait. Et le fait qu'il y ait eu le tonneau, ça va vous laisser suffisamment de temps pour descendre tous correctement sans devoir faire un jet d'agilité. Qui aurait été fait dans la précipitation. La précipitation, vous voyez. Donc là, vous venez de descendre de la tour. Vous entendez énormément de bruit au-dessus de vous, encore des morceaux de porte qui cassent, le tonneau il marche sur le tonneau qui a explosé, vous entendez vraiment beaucoup de bruit vers le nord de l'entrée, donc là où vous étiez, ils essayent tous de rentrer à l'intérieur pour le moment. On va longer le mur de la tour, on va longer la tour et essayer d'aller de suivre le chemin, de le rejoindre. Si c'est une bonne idée que j'ai premier. Devant. Je peux voir. Mais personne n'a une compétence pour faire de la lumière. Bah non, peut-être pas qu'on se fait voir, je sais pas. J'ai une compétence pour faire de la lumière, mais justement, c'est pas pour. J'aimerais pas qu'on nous voit. Mais, alors, de ce que je vois, j'ai l'impression que eux ils nous voient en fait. Malgré. J'en vois qu'il y en a un qui nous longe là. Je pense qu'ils nous voient de toute façon. Qu'ils nous sentent, okay. Du moins. En fait. Ils se sont attirés par le bruit, donc du bâtiment qui était en train de se détruire. Et effectivement, en arrivant au niveau de la tour, ceux qui arrivent ici vous remarquent. Vous entendez du bruit derrière vous et ils vont commencer à courir vers vous doucement. Donc, lumière et cours. Et courez. Run. Donc là, juste une chose. Ouais. Vous décidez donc, c'est de courir. Ouais, pas vraiment le choix. Oui, et le sort de lumière. Je lance mon sort de lumière. Alors, donc dans la configuration, si vous courez et que toi tu lances le sort de lumière, donc ça veut dire que ça sera donc l'elfe Wilbur qui sera devant avec Bran. Toi tu t'arrêtes une demi-seconde pour lancer ton sort de lumière. Et ensuite, le dernier, désolé, mais ça sera Xartorion, c'est toi qui as la vitesse de course la plus lente si vous courez. Donc je te laisse faire ton test de lumière et ensuite on reprendra correctement. Après, comme disait Zano, les nains sont des bons sprinteurs. Bon, saleté de glacial encore. Alors. T'as eu la chance aujourd'hui. Voilà, donc t'illumines comme si que tu voyais correctement. Par contre, effectivement, maintenant, t'as fait beaucoup de lumière. Donc certains monstres qui étaient à l'extérieur vont passer juste sur le côté, mais en même temps que vous avancez. Et les monstres derrière vous. Donc là, vous allez pouvoir recommencer à vous déplacer. Ouais, alors moi je suis avant-dernier du coup, vu qu'ils sont passés devant moi parce que j'ai lancé mon sort. Brand est devant moi. Ah, avancez les gars. Ouais. Il y aura juste notre petit Xartorion, tu vas t'arrêter juste 2 secondes. Oh là, je suis dans la merde. Oh non. Ah, la mort, on la voit arriver. Alors. Ce que tu peux voir tout de suite, c'est que les trois qui sont derrière toi, là il y en a un qui va te frapper, enfin il va essayer, il va te mettre un coup, il est dans ton dos donc il a un bonus pour toucher.
Il te touche. Ça te fait un petit coup, tu penches un peu en avant. Mais il te touche dans la plaque d'armure, encore une fois. Tu prends 0 points de dégâts ce tour-ci. Mais tu sens encore une fois qu'il commence à entamer un peu ton armure. Si ça continue, tu vas commencer à perdre de l'armure. Pareil, le deuxième, il arrive, il te touche. Là, ton armure s'est légèrement froissée. Au prochain coup où tu prends 0 points de dégâts, tu perdras 1 point d'armure. Ok. Hop. Lui, il se loupe totalement. Il court et il tombe à côté de toi. En fait, il vient pour te frapper, mais il était trop court. Il a perdu l'équilibre et il tombe à côté de toi. Donc, il prendra un tour à se relever. Donc là, soit bah, vous continuez de courir ou soit tu t'arrêtes. C'est-à-dire que maintenant, vous allez jouer chacun votre tour. Vu que tu viens de te faire frapper, Xartorion, je te laisse dire quelque chose si tu le souhaites. Ensuite, on fait en tour par tour. Et chose à savoir, ton mouvement est de 4, mais si tu fais que courir, ton mouvement est de 12. Donc, Xartorion. Ouais, bah, on a une vitesse de course et une vitesse de mouvement qui est différente. Bah, je gueule en courant. Boule de feu ! Boule de feu ! Ok, donc là on rentre en tour par tour. Donc Wilbur, c'est à toi. L'angle, en fait. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer, m'adosser au mur. Essayer de me cacher, tu vois, au niveau du mur. Pour. Ou je vais peut-être te mettre ici, me cacher au niveau du mur ici, en fait. D'accord. Et d'observer ce qu'il y a en face, ce que c'est ça, en même temps, si c'est possible. Donc, ce que tu aperçois ici, tu vois qu'en fait, il y a des sortes de tentes, comme si c'était la place de marché. Ok. Et quand même, je te le dis, parce que le glacial est censé avoir fait un sort de lumière, tu es censé voir, vu que tu es proche de lui. Ici, tu peux apercevoir qu'il y a une sorte de plaque d'égout, en fait, tout simplement, qui permettrait d'accéder à un éventuel souterrain. Ouais, d'accord, ok. Une plaque d'égout. Ok. C'est grosse que ça, quoi. Que la tente, je sais pas si tu la vois. D'accord, ok. Donc, à toi. D'accord. Non, du coup, c'est, je savais pas que je la voyais, du coup. Bah, je vais me diriger, si du coup, sur ça. D'accord, bah de base t'avais le droit à 7 mètres, sauf si tu fais de la course. Petit à peu près ici, tu peux aller jusqu'à quasiment à la bouche d'égout. Hein. Ok. Hop. Voilà. Tu vas te mettre juste devant, tu la vois et tu pourras réfléchir à ce que tu vas faire juste après. Xartorion. Bah je cours à l'angle et je hurle boule de feu, en les rattrapant. Tu veux faire 12 mètres, tu peux aller jusque là. Ouais, bah je sais pas si les mains vont me suivre. Bon, déjà, au moins je l'ai dit. Et s'il veut me tirer une boule de feu sur les mains qui. Au moins un tir de sommation ici, tu vois, juste pour les ralentir. Non, mais s'il peut toucher, c'est encore mieux. Oui, c'est. Voilà. Il est pas obligé, juste je gueule boule de feu, mais je ne. Non, si, non, mais je vais les faire. Ça va être à toi, Brand. Bah, écoute. Moi, je vais faire une. Enfin, je peux les toucher là ou pas Ils sont pas. En fait, le tour là qui se passe, ça va être à peu près en même temps. Donc, éventuellement, tu peux attendre qu'ils passent et leur tirer dessus. Possibilité. Okay. Possibilité. Je vais me reculer ici. Et puis après, ben, je vais attendre qu'ils passent pour leur mettre une boule. Limite, je pensais à faire peut-être un petit mur de flamme entre les deux bâtiments. T'es juste à le fait s'écraser au sol et puis ça fait un petit feu, un petit brasier quoi. T'arrives à... Je sais pas si je peux faire ça. Pas avec ce sort là. La boule de feu, c'est plutôt une sorte de boule qui arrive sur l'ennemi et qui explose. L'ennemi, quoi, qui fait des dégâts suite à la combustion de la boule de feu. C'est pas un cercle de feu ou vraiment un. D'autres, quoi, tout ça. Vraiment quelque chose qui pose un impact. D'accord. Je laisse te reculer. Et tu vas me faire ton test de boule de feu maintenant. Et en fait, si tu fais un succès, bah, tu la lances dès qu'il passe le mur.
Tu fais un échec, bah tu la lances maintenant avant qu'il passe le mur. Donc tu toucheras, ça te coûtera 2 points de mana. Et dès que le prochain monstre passe, il se prend une boule de feu dans la tête. Donc pour l'instant, tu la prépares devant toi et dès qu'il apparaît, il se la prend. Les dégâts, c'est 12, excuse-moi. Oui, ça sera 12, oui. Et moi, bah, je vais me déplacer. Je vais aller les rejoindre de toute façon. Hein, donc, D'accord. Donc là, ça va être au tour des monstres. Les trois qui arrivaient là, le premier il arrive, il se prend, tu lances ta boule de feu, elle lui arrive dans la gueule, elle explose à l'impact, tu vois le monstre voler en arrière et mourir. Les deux autres continuent à courir vers vous et c'est cela. Ils sont considérés comme des coureurs. Là. Ah, donc ils nous ont très vite rattrapé, la vache. Par contre, la horde qui est derrière se déplace très lentement, vous le voyez, et, ils sont vraiment très lents, quoi. Ils arrivent à peine à l'entrée, quoi. Donc là, ça va être à vous. Et donc, Willy Buvant, tu fais quoi? Bah voyons la situation, je vais essayer de soulever la grille ou voir si c'est soulevable. Et test de force. Ah. Tu commences à essayer de soulever, elle se soulève un petit peu, mais Mais voilà, pas assez. tu cries aux autres, c'est trop lourd! Le nain. Zatorion, c'est à toi. Bah, je l'entends, mais je dis quelqu'un d'autre, je vais essayer de d'en choper un des deux. L'intercepter, quoi, avant qu'il nous tombe dessus. Et me retourner et essayer de me mettre en posture défensive, quoi. D'accord. Ensuite, c'est à Brand. Bon, bah écoute, n'écoutant que mon courage, deuxième boule de feu, hein. C'est lequel que tu touches? C'est lequel que tu touches? Le gauche. Alors, pour les succès Pardon. critiques, il se passe que les dégâts sont doublés. Donc, tu as encore une boule de Allez. feu, mais tu contrôles beaucoup plus ta mana que d'habitude. Tu ne sais pas pourquoi ni comment, mais tu invoques une boule de feu qui est plus grosse que d'habitude. Et quand tu l'envoies, vu que les monstres sont vraiment collés, va toucher les deux grâce au critique. C'est vraiment grâce au critique que tu vas pouvoir toucher les deux. Et vu que les dégâts sont quand même extrêmement élevés de ce que tu as fait les meilleurs jets possibles, que ce soit au résultat ou aux dégâts, la boule explose. Le premier est fracassé contre la première structure qui est ici sur la gauche, et le deuxième s'envole jusqu'ici sur la deuxième. Tu as fait un total de 34 points de dégâts avec cette attaque. C'est un peu chaud à démarrer, maintenant, faut pas m'emmerder. Hein. T'es un diesel en fait. Donc, à toi de jouer Glacial. Eh ben moi je vais essayer d'aller, j'allais me déplacer à la plaque d'égout et essayer de la soulever. D'accord. T'es pas drôle, Brand, t'aurais pu m'en laisser. Hein. C'est ce que sort mon nain, t'sais. Bon, puis m'en laisser. Hein. T'inquiète pas, il y en a 30 qui arrivent, si tu veux te faire plaisir. Non, non, je vais sauter avec vous dans le trou. Du coup, je fais un test de force, c'est ça? Ouais. Que vous avez entendu là actuellement, c'est ici, il y a des monstres dans cette direction qui commencent à taper sur ce qui était Sur la barricadé. barricade, ok. C'est pareil, Glacial, tu commences à te mettre accroupi, tu attrapes par les barreaux pour commencer à soulever, et là vous êtes deux en train de tirer dessus. Elle se soulève, mais genre de 2 mm. Oh là là, ouais, bah ouais, c'est trop lourd là. Là, on va avoir 4 là parce que on va pas y arriver.
Et moi, je propose quelque chose, c'est de passer la corde dans les barreaux, tu vois, et de mettre les cordes au-dessus de nos épaules, tu vois, pour la porter, tu vois, pour faire effet de poulie, tu vois. Ou effet on n'a pas, tu vois, pas le temps, on n'a pas le temps, on a clairement pas le temps. Si tu veux, je peux te faire un petit café à côté aussi, mais là, j'ai pas le temps. On va te fabriquer une grue aussi. Non, on va se mettre à quatre autour, puis on va tirer, quoi. Alors, effectivement, là, c'est... Vous voulez faire ça comment? Est-ce que vous voulez vous mettre tous dessus? Bah autant faire... Si vous vous mettez tous dessus, vous me faites tous les quatre un jet de force. Et si il y en a deux qui réussissent, vous soulevez la plaque sans problème. D'accord. J'avais une petite question juste avant. Étant donné que donc Wilbur et Glacial avons essayé de soulever, on pouvait pas réussir à deux du coup? Ah, vous avez fait un échec tous les deux, assez violent, okay. Donc... Oui, il n'y a pas de soucis. Fait la test de force. Tout le monde fait un test de force là du coup. Ouais. Là, c'est comme ça qu'on fait. Ouais, bon, bah, c'est rien que je fais ça. Ouais. Et il en faut deux du coup. J'ai vraiment pas de force. Hein. Et il en faut deux, s'il vous plaît. Et ben. Oh. Il en manque un. Ah, c'est fait. Ah, c'est bon. Bah, on a tous fait. Hein. Ah oui, bah, non, ah, oui. Non, j'ai réussi à en faire un. Tout le monde a réussi. Mais actuellement, vous avez réussi à la soulever. Vous l'avez déplacée un petit peu, mais pas suffisamment pour pouvoir passer. Là, ça va être au tour donc, des monstres, vu que vous avez fait votre action. Vous avez de la chance, la horde est plutôt lente. Donc là, ils commencent à passer la ruelle, mais ils arrivent bientôt sur vous. Oh, bah là, on y arrive, on y arrive. Et là, je ronchonne, je vous ai dit la corde, bordel, la corde. Allez, les biceps là, tout le monde en même temps. 1, 2, 3. On va attendre. Bah ouais, non mais c'est ça. Non, oui, mur. Oh, je suis trop nul. Oh, putain. Oh là là. Vous avez redéplacé un petit peu encore la bouche d'égout. Après, j'ai fait un échec critique. Est-ce que ça a pas foutu la merde? Non, mais justement, l'échec critique va venir, t'inquiète pas. Ah, donc là, vous avez réussi à déplacer un peu la bouche d'égout. Mais quand vous l'avez redéplacée, bah, elle a glissé, elle s'est ouverte. Et toi, votre ami nain, t'es tombé. T'es passé à travers. Ah, super.